les amis, c'est Prit. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Alice Retour au pays de la folie. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue, je sais aussi que je dis tout le temps cette phrase là. En tout cas j'espère que vous êtes chaud pour continuer, c'est parti. Alors souvenez-vous les amis qu'on s'était arrêté ici, j'avais dit que je ferais le fameux niveau bonus pour pouvoir récupérer la pétale de rose. Donc on va faire ça avant de continuer l'aventure. Ah là il y a le chat, donc ça va certainement être une petite question. Il y a un petit quelque chose pour ta matière grise, ok. Donc ça c'est une question, ça fait ultra longtemps qu'on n'a plus de questions. Celui qui l'utilise ne s'en apercevra jamais. Qu'est-ce donc du sucre, un cercueil? Bah un cercueil bien évidemment, c'est logique. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Tu ne cesses de me surprendre. Ah bah voilà c'est bon, j'ai réussi. En même temps c'était assez simple comme question hein. Donc j'ai pu avoir une pétale de rose assez facilement et assez rapidement. Donc c'est parfait. Maintenant on en a 3 sur 4. Donc si on arrive à en récupérer une avant la fin du jeu, ce serait cool. Comme ça on aurait une pétale de rose en plus. Enfin plutôt une rose en plus. Et bon voilà, ok, ça c'est déjà une bonne chose de fait les amis. Au moins je l'ai récupéré. Je vais déjà récupérer ça aussi. On a une bouteille en or et casser ça pour avoir les dents. C'est bon, j'ai rien oublié. Ok, je pense qu'ici j'ai tout récupéré. Et je dois donc alors aller par là. Non, attendez. Que je dise pas de bêtises. Alors, à mon avis, en effet, je devais aller par là pour pouvoir continuer l'aventure. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, hop, on va là. Ensuite, où est-ce qu'on doit aller? What? Ah, un champignon. Attendez, mais il n'y a pas de champignon. Qu'est-ce qui m'a fait sauter? Vous avez vu les amis, j'ai sauté et pourtant il n'y avait pas de champignon. Alors je sais pas d'où vient ce gros bug, mais il était assez impressionnant en tout cas. Ah bah voilà, regardez, il y a une sorte de champignon invisible. Je sais pas si la texture du champignon et ne s'est pas faite. En tout cas, j'ai sauté. Voilà, ok, j'ai été ici. Bon, ici il y a une bouteille à récupérer. Ici il y a des trucs à casser. Vous avez vu, même les parts de gâteau, elles prêtent du temps à disparaître. Je sais pas si c'est mon jeu qui est bugué, mais c'est assez bizarre. Bon, ensuite je dois aller où? Est-ce que vous pensez que je devrais tenter d'aller sur les souffleurs d'air? A few moments later. What the fuck les amis, je sais pas du tout en fait qu'est-ce qui se passe. Alors je vais tenter d'aller par là cette fois-ci parce que j'avais pas encore été. Il y a une petite boîte à musique, je devais peut-être tout simplement revenir là. Mais allez, on écoute le chat. Cela m'a l'air d'aller parfaitement, je sais de quoi je parle. Utilise donc ta nouvelle caboche. Bon alors la boîte à musique, c'est bon, on va enfin pouvoir avancer dans le jeu. Je m'excuse les amis si j'étais un petit peu lent, mais ça m'a vraiment perturbé en fait. Oh putain. Putain, ok, la tête de bébé, vous avez entendu, il y avait un rire chelou là, je sais pas du tout à qui appartenait ce rire, mais on le saura bien vite je pense. Ah, je me rappelle de ça, c'était génial, ça c'est une phase de gameplay vraiment sympa. En fait, on contrôle une tête de poupée, et c'est un sorte de niveau, voilà. Oh putain, comment je me suis fait niquer, ça a bugué, en fait, j'ai pas vu comment je me suis fait avoir. On va recommencer du coup, pourquoi il y a une vue comme ça? Mais le jeu bug depuis tout à l'heure, c'est pas possible. C'est pas moi, c'est le jeu qui bug réellement en fait. Oh, il y a des billes et tout, super stylé. Allez, on descend là, ensuite... Hop, on casse tout ça, ça me donne des dents. Vous voyez, ça fait penser au jeu où vous contrôlez une sorte de boule comme ça et... Oh putain. Et vous devez passer les niveaux et tout, c'est vraiment sympa. Hop, je casse tout ça. On continue les amis. Alors, on est où là? On est toujours dans le niveau chelou. Hop, je me fais dégager et c'est parti, on peut continuer. Oh non, j'ai foiré. Je sais pas si je peux sauter avec cette fameuse tête là. Je sais pas, peut-être que je peux aller plus vite. Oh, ouais, je pense que je peux sauter. Regardez, hop là, voilà, c'est ça que je dois faire. Une petite dent en or, ça fait plaisir. Ok, je dois descendre les marches d'escalier pour pouvoir descendre tout en bas. Sans tomber dans le vide, ce serait cool. Allez, on y est presque les amis, on y est presque. Ok, c'est bon, là il y a un canon, je dois bien viser. Puis hop. C'était ridicule les amis, j'ai pas chargé en fait le canon. Du coup ça fait vraiment un tir pourri. Mais bon c'est pas grave, regardez, je suis déjà dans le canon là. Hop, je charge et maintenant hop. Voilà, là c'est bon, ok, encore un deuxième canon. Ensuite je dois charger plus ou moins comme ça je pense, ouais c'est bon. Là on gère, hop, on casse ça. Et encore un chargement, parfait, on avance petit à petit. Ah, là on est vu de face. Faut que je fasse gaffe de pas tomber, par contre les petites dents ça m'intéresse, je peux gérer la caméra aussi si j'en ai envie, comme ça on peut mieux voir. Allez, j'ai envie de louper aucune dent, c'est bon. Là pour l'instant ça passe, ouais. Je dois aller sur cette plateforme là en bois. Mais non, ça m'a niqué, j'avais pas que ça allait me tuer ça. On est obligé de recommencer du coup, je dois pas récupérer les dents que j'ai déjà prises, mais je peux par contre. Mince, j'ai foiré. C'est pas grave, on s'en fout, c'était pas pour une dent. Alors, là, je dois faire attention, les amis. Je dois sauter au bon moment. Ok, mais pourquoi je meurs? Mais attendez, c'est pas là que je dois aller? Il y a un autre endroit dans lequel je dois aller, alors? A few moments later. Je dois peut-être tout simplement attendre que ça, ça bouge. Tiens. Ah, ok, j'ai compris. Je dois aller là, en fait. Voilà, ça me transporte, en fait, ces trucs-là. Et moi, je dois doser. Ok, on se concentre bien. Là, il y a un canon. Alors, le canon, il va jusqu'où? Bah, le canon, il va jusque là. Hein. On peut pas faire plus de toute façon. Ok, ça suffit. C'est quoi ces trucs-là? Vous avez vu? C'est chelou. Les billes d'Alice sont vraiment très bizarres. Là, c'est une vue un peu... Ouais, c'est bon. Je comprends rien, les amis. Hein. J'arrive même plus à parler.
tellement ça change tout le temps. Hop, hop, c'est pas grave. Tant qu'on avance, c'est le principal. Allez, mon gars, c'était beau, ça. Ah, bah voilà, c'est bon. Alice est revenue dans le monde normal. Il y a une porte ici et je ne peux rien faire avec elle. Ok, donc par où est-ce que je dois aller? Bah, je dois aller par là, j'imagine. Un petit toboggan des familles, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir, on va pouvoir récupérer des dents. Voilà, même beaucoup de dents. Hop, comme ça, je pourrais améliorer la théière à canon. Aïe, ça fait mal au cul, là. Je suis en train de me faire cramer. C'est pas ça qui va m'arrêter. Le petit champignon que j'ai foiré. C'est bon. J'ai réussi à aller dessus. Hop, hop, on prend les dents. Aïe, mais c'est chaud, hein. Franchement, ce toboggan-là, je pense que c'est la première fois que je me prends autant de dégâts dans la gueule. Ça m'a enlevé la moitié de ma vie, ce toboggan. Franchement, il m'aura coûté pas mal de fleurs. Maintenant, on est ici. Je dois déglinguer les petits ennemis. Bim, toi, tu dégages, mon pote. Alors, il y a l'enfant de putain qui est là. Voilà, on va vite fait s'en débarrasser. Petit coup de cheval bâton. C'est bon, je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu. Alors, ce serait bien si je récupérais de la vie. Voilà, c'est parfait. Suffit d'en demander. Alors là, il y a encore des trucs à casser. Parfait. Ensuite, ah, je me rappelle de cet endroit. Je pense que c'est un endroit qui est quand même assez galère. Donc, attendez. Hop. Regardez si je peux pas améliorer mon arme. Donc, c'est-à-dire ma théière à canon. Ah, bah, parfait. Je peux l'améliorer. Au moins, ça, c'est fait, les amis. De toute façon, il reste plus que ça à améliorer. Il nous faudra encore 725 dents pour pouvoir améliorer la théière au dernier niveau d'amélioration. Alors, ça, j'avais pas cassé, bizarrement. Et ça, je suis bloqué par une sorte de vitre invisible. Mais je dois casser ça en fait, j'avais pas vu. La chronobombe, elle sert à quoi? Je sais pas à quoi elle sert. Peut-être que c'est en allant en haut que je vais savoir à quoi elle sert. Alors, vite, 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 on se dépêche, les amis. Par contre, il y a un groin de cochon, donc je vais d'abord m'en occuper. Je sais pas trop ce qu'il va me ramener. Il va peut-être m'ouvrir une porte ou quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ah, bah, c'est parfait. Il m'a fait descendre un truc et il y a un souvenir là à écouter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Allez, on écoute le souvenir. On m'a demandé d'identifier votre famille à la morgue d'Oxford. Votre sœur était tout à fait reconnaissable. Contrairement à vos infortunés parents. Ok, il est pas très cool, hein. Alors, je vais aller en haut ici. Je sais pas trop à quoi elle servait, en fait, la chronobombe. On le saura bien assez tôt. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'étais dans les pics sans pas exprès. J'ai vraiment pas fait exprès, là. Je suis tombé, je sais pas pourquoi. J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Bon bah je vais en profiter pour replacer la chronobombe. Ah oui, ça m'enlève les pics, ok c'est bon. J'avais pas remarqué tout à l'heure mais maintenant j'ai compris. Ça enlève les pics, donc ce qui fait que je vais pouvoir alors aller en bas ici et peut-être trouver. Ah mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à l'endroit où j'étais, je replace une chronobombe du coup. Allez, on se dépêche, je dois aller tout en haut. C'est bon, ensuite je dois aller là, voilà. Et après les amis, où est-ce que je dois aller? Je dois aller par là. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à franchir le truc. La porte s'est refermée derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un ennemi là, j'entends des ennemis là. Ah, c'est toi, mais casse-toi, il s'est fait écraser le con. Bon, par contre, hop, je me dépêche. Voilà, faut faire attention parce qu'ici il y a des pics qui sortent. Ça va être ultra galère. Oh là 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 là, regardez comment c'est dangereux. Bon, ici je suis en sécurité. Faut attendre qu'il se fasse écraser, c'est con, regardez. Hop là, allez, faites-vous écraser. C'est bon, ils sont morts. Il y a la tête qui est venue vers moi en plus, carrément. Tac, voilà, j'esquive. Il reste une dent là. Ici il y a des trucs à péter. C'est parfait. Ça, je casse aussi. Et je vais devoir replacer une chronobombe. Mais d'abord là-bas, il y a quoi? À part une tête de bébé à casser. Bah, il y a rien du tout, mais il y a le chat, écoutez, on écoute. Sois prudent, Lidl. Ok, c'est tout ce qu'il me dit. Il me dit tête prudente, parce que c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. On désactive de nouveau le truc. On va se dépêcher. Vite, 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 vite. On doit aller par là, j'imagine. Ensuite, où ça? Ah, on doit tout descendre, en fait. Ça, c'est quoi? Ah, une entrée secrète. Ok, je vais d'abord aller là-bas, parce qu'il y a une bouteille à récupérer. Voilà, je récupère la bouteille. En même temps, je casse ça. Je me casse. Bon, alors, il y a un truc à casser, là. Il y a une tête de bébé. Ah, c'est vraiment glauque. Vous avez vu ça, la sorte de vieille poupée dégueulasse, là? C'est vrai qu'on a essayé de torturer une poupée, quoi. C'est chaud. Et là, on a mi-squelette, mi-oiseau. Vraiment bizarre. Je me sens pas très à l'aise ici, hein. Je dois replacer la chronobombe. Voilà, je la place là. Et je pense qu'en fait, je devais aller par la droite ici. Et que ça a ouvert une porte. Ouais, regardez. Faut que je me dépêche. Ok, c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon là. La porte va se refermer logiquement. Ouais, elle s'est refermée. Je l'avais manqué, un truc de vie ici. Parfait. Surtout pas oublier de la vie, c'est super important. Hop. Alors ici, il y a quoi? Ouais, c'est toujours la même chose. Il y a des pics et tout. Par contre, j'ai entendu. Voilà, un bébé, il me semblait bien. Il va se faire écraser de toute façon. Vas-y. Ah, il s'est pas écrasé le bâtard. Bah attends, je vais le crever ici, moi. Ah ouais, c'est bon, il s'est fait écraser en même temps que je le tirais dessus. Hop, voilà, je prends la dent. Ensuite, je me casse. Non, je me suis fait avoir. J'ai quand même eu ma dent, c'est le principal. Bon, j'attends que ça descende. Ah, ça va descendre encore plus bas maintenant. Ok, j'ai compris, c'est bon. Donc voilà, je fais ça. Ok, j'ai réussi. Je casse vite ça. Un petit peu de vie, ça ferait plaisir. Et bah voilà, encore de la vie. Ici, encore un petit peu de vie. Ouais, encore un petit peu de vie, je pense. Oh, il y a un bébé volant. Vas-y, sors ta tête, mon pote, que je te déglingue. Voilà, merci. Et maintenant, je te termine au glaive. D'abord, récupérer la petite tête de bébé. Il y a beaucoup de têtes de bébé ici, hein. Il y a deux chronobombes à placer ou quoi? Je comprends pas. Je pense que je dois d'abord activer ça. Ouais, donc je passe la chronobombe.
Comme ça, je peux passer maintenant par là. Bah non, ça fait rien. Ou alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ah ouais, ça m'ouvre une deuxième porte. Ah, voilà, je devais juste me dépêcher, en fait. Ah non, j'ai paré ici. Oh merde, comment je fais maintenant? Ah, je suis bloqué? Non, il doit certainement y avoir un moyen de faire le tour. Regardez, si je descends, je reviens là où j'étais avant. Je suis revenu au début, donc il faut que je revienne, que je remonte. Je casse ça au passage. Je vous avais dit que ça allait être un endroit assez chiant ici. Donc je dois faire tout le tour, en fait, pour recommencer à mettre mes chronobombes sans me foirer cette fois-ci et arriver à atteindre le centre de levier chelou. Bon, allez, on se dépêche. Ensuite, je dois aller en bas ici. Ouais. Là, je dois attendre de nouveau. Maintenant, je peux passer. Voilà. Et regardez ce que je dois faire, en fait. Je dois placer cette chronobombe là. Ensuite, je dois vite aller là-dessus et me dépêcher, les amis, pour pouvoir atteindre le levier. C'est parfait, j'ai réussi. Et voilà. Regardez, la tête me regarde, quoi. Ça fait ultra flipper. C'est vraiment immonde. Bon, bah, ça a ouvert le truc. Donc maintenant, j'imagine que je vais pouvoir y aller. Voilà, j'ai réussi à aller ici. Bon, ça demande vraiment pas mal de concentration ici. Tac. En même temps, on est presque à la fin du jeu, donc c'est normal, les amis. Ah, je vais pouvoir récupérer ma vie, ça c'est cool. Je récupère ma vie, c'est parfait. Bon, j'ai repris ma vie, je prends les dents. Alors, je dois monter là-haut. Ah, j'ai compris. Je me souviens de ces trucs-là. Par contre, il y a un champignon là. Mais je pense que je vais d'abord aller récupérer les dents invisibles que j'ai vues là-bas, parce qu'il y a plein de choses. Vous avez vu, il y a énormément de choses ici. Faut que je fasse gaffe de pas louper des trucs importants. Là, il y a une image du train. Alors, je peux aller sur la plateforme là. Ensuite, sur celle-là. Ouais, j'ai compris, regardez. Je mets une chronobombe. Ensuite, je vais là. Faut que je me dépêche. Hop, je prends la dent. Je remonte. Je vais ici. Ensuite. Ah oui, ça me permet en fait d'aller là-haut. Non! Non, je me suis foiré. Et merde, j'aurais dû aller sur le champignon. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un champignon. Ah, maintenant c'est mort, je vais devoir aller remettre le truc, quoi. C'est ultra relou. Heureusement, si je passe par là, c'est rapide, donc ça va. Allez, j'active la chronobombe. Pas que je tombe ici, ce serait quand même bête. Bah, c'est parfait, là, j'ai bien géré. Je tombe direct sur champignon. Paf, ok. Ah, mince. Vite. Ah, je comprends pas pourquoi. J'y arrive pas là, j'ai pas compris. Ah oui. Bah non, j'ai pas réussi, mince. Eh, c'est pas évident, hein. Je suis même pas sûr que je devais prendre le champignon. Je saute encore moins haut en allant sur le champignon, j'ai l'impression. J'ai recommencé. Cet épisode va être un épisode de galère. Vous avez dit que ça allait être relou, j'avais vraiment raison. Allez, tombe pas, Alice, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Maintenant, on va tenter d'aller sur la plateforme. Ouais, j'ai réussi. Et on va là-haut, ok. C'est un moment chiant à passer, mais on l'a fait. Alors ensuite, par où est-ce que je dois aller? Pas par là, j'ai l'impression. Ou si, je pourrais peut-être aller en bas, mais je vais d'abord aller voir à droite ce qu'il y a exactement. En plus, il y a une main qui me dit d'aller par là. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Je vais déjà me débarrasser des bébés, sinon ils vont me faire chier. Voilà, dégager. Maintenant, je vais m'occuper de l'autre. Aïe, il me fait mal en plus, bâtard. Vas-y, sur ta tête. Maintenant, tu dégage, ils étaient 3 en plus, donc il en reste encore un maintenant. On lui tire dessus, vas-y, il faut qu'il sorte sa tête. Sort pas sa tête, vous avez vu celui-là? J'ai l'impression qu'il est un peu bugué en fait. Ok, bon, il est bugué pour l'instant, je vais pas m'en occuper. Alors, le souffleur d'air, il m'emmène sur la plateforme ici. Donc j'imagine que je dois mettre une chronobombe, puis ensuite aller sur le souffleur d'air qui va me permettre, eh ben non, de pas aller sur la plateforme. Et je tombe dans le vide, ok. Par contre, le bébé, il est là maintenant, donc je vais pouvoir m'en débarrasser. Voilà, je le déglingue, c'est bon, ce sera plus un souci. Voilà, je l'ai terminé en plus. Alors, est-ce que vous pensez que je dois d'abord mettre une chronobombe sur cette plateforme-là? Alors, comme ça. Ensuite, je prends le souffleur d'air. Ah, j'ai pas réussi à atteindre la plateforme. Mince. Allez. Non, mais c'est chaud quand même, hein. Mine de rien, on dirait pas, mais c'est compliqué. Le pire, c'est que c'est ça que je devais faire, hein. Je devais réellement mettre une chronobombe sur cette plateforme-là, comme ça, aller par là. Je vais faire tout le tour carrément, ce sera beaucoup plus simple, parce que je dois prendre le souffleur d'air ici, et ensuite seulement, je peux aller là. Là, il y a une dent récupérée en plus, c'est parfait. De la vie aussi. Alors là-bas, il y a un souvenir, je vais aller récupérer avant. Hop, on saute, je prends la dent, et on écoute le souvenir. Toutes ces stupides étudiantes écoutent papa aveuglément. Dois-je tenir le thé au chaud? Dois-je servir? Quelle pécasse! Ok, souvenir plutôt sympa là. Bon, bah je dois aller par là du coup. Et il y a une dent en or qui m'attend en plus. Ça signifie que c'est le bon chemin. Ou pas en fait, je suis coincé là. Bah non, c'était quoi cet endroit là? C'était un cul-de-sac? Et bah apparemment, donc ce que je dois faire, peut-être tirer là-dessus. Non, même pas. Ou alors, attendez, je tente un truc. J'arriverai jamais à mettre une chronobombe comme ça. Quoique. Ah, j'ai réussi en plus. Mais genre, il fallait faire ça quoi. J'ai pensé à ça et je sais même pas pourquoi j'ai. J'en peux plus de moi. J'étais à un centimètre de la plateforme, bordel. Mais c'est pas grave, je reviens haut, heureusement. Ah, ou pas en fait, je reviens où là? Ah non, je suis pas revenu en haut du tout. Oh non, je dois recommencer, c'est relou. Chronobombe là, prends le souffleur d'air. Allez sur la plateforme, mettre une chronobombe sur la plateforme. Ensuite, allez sur la plateforme ici. Voilà, on attend qu'elle monte tranquillement. Ça servit à rien en plus. Mon poids fait descendre la plateforme, je dois recommencer. A few moments later. Je vais sur la plateforme invisible et j'attends le bon moment. Allez, je dois aller
Là maintenant, ok c'est bon, j'ai réussi. On casse ça, bam, prends les dents. Il y a encore une tête à casser ici, je la casse. Il y a des têtes partout de toute façon, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, c'était juste un petit checkpoint. Et bon, prochain checkpoint les amis, je vais m'arrêter. Je prends la dent là, on regarde ce qu'il y a. Oh, c'est bizarre ça, vous avez vu, il y a trois poupées là qui sont liées par une corde, suite par là. Il y a trop de plateformes invisibles là, je vais me perdre, c'est abusé. Puis je vais sur celle-là, apparemment. Je dois activer une petite pendule. Ok, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Et ça me ramène une plateforme invisible. Alors ensuite, les dents en bas, est-ce que ça vaut la peine que j'aille les récupérer? Je vais d'abord voir ce qu'il y a là-bas. Alors, c'est quoi ce truc? Je sais pas trop ce que c'est. Limite, les dents, maintenant, c'est plus trop nécessaire. Même si on a une TR à canon au niveau 4, c'est pas non plus ça, en fait, qui va faire la différence. Je pense que je vais moins m'acharner sur les dents maintenant. On a déjà toutes les bonnes armes qui sont améliorées, donc c'est le principal. Par contre, là, j'ai complètement merdé. Ouais, j'aurais pas dû aller là. Je vais tout simplement tirer sur la pendule. Donc, je dois recommencer. Allez, tac. On se dépêche. On prend bien le temps de tirer sur la pendule. Voilà. Ça m'a ramené une plateforme en bois. Et maintenant, je peux accéder à cet endroit-ci. Bon, encore des têtes à péter. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot dans cet épisode. À mon avis, ça doit être pas mal, hein. Bon, avant de placer la chronobombe, j'ai vu qu'il y avait des têtes à récupérer ici. Donc, bim, on casse tout ça. J'ai récupéré de la vie en plus, même si j'avais déjà tout. Et j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que ça me fait perdre du temps. On va reprendre le souffleur d'air ici. Maintenant, je place la chronobombe. Il m'a enlevé les pics, mais les pics, elles se situent où? Ah, juste au-dessus. Ok, j'ai compris. Je place la chronobombe. Ah mince, attendez, j'ai vu qu'il y avait un truc à péter là. Là, j'ai besoin de la théière à canon, les amis, pour déglinguer ça avant. What? Ok, vous avez vu ça, ça avait complètement bugué. Bon, j'ai défoncé le truc, on va aller voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir ici? Ah bah des dents en or, okay. Maintenant je replace la chronobombe. On se dépêche, on va ici. Je casse ça, ouais. Par contre après, ah je dois aller là? Non, qu'est-ce que je dois faire après? Tout ça pour une petite tête de bébé? Non c'est pas possible, attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ok, il y a des plateformes invisibles, donc voilà. En fait c'était juste pour récupérer une dent, c'est dingue qu'ils m'ont fait mettre une chronobombe juste pour une bête dent quoi. Bon moi j'ai récupéré la dent, hein, voilà. Je peux avoir l'esprit tranquille, j'ai l'impression d'être un petit peu perdu. Je pense pas que je suis dans un endroit important ici. Même pas du tout en fait. Toi j'avais quand même la main qui me disait d'aller par là. À moins qu'il y ait un truc que j'aurais mal vu en allant dans la pièce, je sais pas. Non c'est chelou un peu. En haut il y a rien qui a changé. Par contre ici les amis vous avez vu, il y a une pendule. Est-ce que je peux l'activer de là où est-ce que je suis? Ah non j'ai compris, c'est bon j'ai compris. 1 hour later. Ça que je devais faire en fait depuis le début. L'activer, c'est parfait. Même si je me fais piquer après, c'est pas grave. Ça a ouvert le truc en dessous. C'était bien par là que je devais aller. Maintenant, je peux aller ici. Je passe la chronobombe. Ça m'a ouvert le truc là-bas. Il faut que je me dépêche. Allez, on se dépêche. Je vais ici. Et maintenant, je dois aussi éviter les pics. Il y a combien de pics? C'est abusé. Vite, 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 vite. Oh, c'était chaud, hein. Franchement, au niveau du temps, là, c'était plutôt tendu, mais c'est bon, j'ai réussi. Je vais en profiter pour aller récupérer ma vie, parce que j'en ai perdu un petit peu. Vas-y, je récupère tout ça. J'avais toute ma vie, en fait, bizarrement. Je pensais que j'avais perdu un peu de vie. Faut que j'attende la plateforme invisible. Ah, c'est bon, elle arrive vers moi. Voilà, je suis dessus. Maintenant, je vais ici. Je suis désolé, les amis, c'est un épisode un petit peu relou. Je suis conscient qu'il se passe pas grand chose et que c'est plus, en fait, un gameplay de plateforme. Bon, vous allez dégager, vous. Vous allez pas commencer à me saouler. De toute façon, vous servez à rien. Voilà. Dégagez de mon chemin. Vous déglinguez tous. Pourquoi j'ai utilisé la théière à canon? Pour des vieilles sangsues. C'était pas très utile que je fasse ça. Par contre, ça, je peux péter. Il y a une tête là à récupérer. Ah, il y avait une sangsue dedans là. Le vieux piège. Alors ensuite, je dois aller par là. Je vais attendre que ça descende. Maintenant, je peux passer. Ok, c'est bon. Pareil ici. J'attends. Je passe. Je récupère la dent. Et il va y avoir un combat là. Ah bah non, c'est un checkpoint. Ah si, si, si. Il y a un combat. Oh non, il y a une vieille poupée. Bah on va terminer sur ce combat là, les amis. On aura bien avancé dans cet épisode malgré tous les fails et la galère qu'il y a eu. Je vais m'occuper des faibles avant, c'est-à-dire les bébés à une tête là. Maintenant, je m'occupe de son pote. Voilà. Et je peux m'occuper de cette vieille poupée en porcelaine. Et boum, je la défonce comme il faut. Voilà, on lui tire dessus, on en profite. On l'attrape dans le dos. C'est son point faible au début. Bam. En fait, franchement, le moulin à poivre, c'est un des trucs les plus efficaces contre elle. J'attends, j'attends. C'est bon, maintenant je peux lui faire des dégâts. Elle recrache son feu là. Elle se prend pour Dracofeu, frère. Vas-y, je la défonce. J'esquive. Maintenant dans son dos. Allez, coup de cheval bâton. Ça lui fait mal. J'esquive tout ça. On en profite pour la frapper encore. Et bim. Allez, on lui tire dessus. Une fois que j'aurai pété son bit, ce sera bon. Elle est plus compliquée celle-là que les autres parce que celle-là, elle reste énormément en position défensive. Elle crache aussi énormément de feu. Allez, il faut que j'arrive à la voir, sérieux. Peut-être que je dois aller dans son dos, non? Faut qu'elle fasse une attaque. Ah non, elle est pas facile, hein. Vraiment pas facile. Il faut que je la touche dans le dos, celle-là. J'ai pas trop le choix. Allez, on en profite maintenant. Regardez. Bim. Et bim. Tu dois peut-être tirer en fait sur ses vis derrière là. Peut-être bien. Allez. Crache ton feu. Maintenant, regardez, je vais près d'elle et j'essaie de tirer dans son dos comme je peux. Aïe. Voilà, c'est bon, je lui ai éclaté le bide. Ce sera vachement plus facile maintenant. Enlève tes sales mains là, que je te déglingue. Vas-y, vas-y, enlève tes mains seulement. Vas-y, vas-y, je lui tire dessus. Ah.
Hop, j'esquive. J'en profite pour la frapper. Et bim. Ah, ça lui a bien fait mal, ça. À mon avis, elle a dû le sentir passer. Hein. Tire dessus comme je peux. C'est bon, j'ai réussi à l'avoir. C'était pas évident, ce combat. Hein. Ouh, c'est vraiment pas évident. Bah, il y a eu un checkpoint. C'est parfait. On va se laisser là-dessus. Du coup, les amis, on aura bien avancé dans cet épisode. Donc, tant mieux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu. Et sinon, bah, on se retrouvera très vite pour de prochains épisodes. On arrive bientôt à la fin du jeu. Prenez soin de vous, ma Fruit Family. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde.